Bonjour à toutes et à tous, voilà, bienvenue dans ce nouveau format où je vais vous faire des tests en moins de 5 minutes, donc ça va s'appeler le rapid test. Mais le jeu que vous allez voir que j'ai testé, que j'ai terminé, vaut plus que les 5 minutes, mais c'est le nouveau format. Voilà, il va falloir se plier à la règle, puisque le jeu que j'ai terminé n'est autre que celui-là, Astro Bot. Mais quel jeu les amis, mais quel jeu pour moi, il a le mérite d'être le GOTY 2024. On a enfin le Mario de la PlayStation. Je ne pèse pas mes mots. On a enfin le Mario de la PlayStation. Il est digne de porter son nom. Parce que oui, c'est un jeu de plateforme pur et dur. Mais quel jeu! Quel jeu! Et si vous ne l'avez pas, foncez le faire. Achetez-le ou je sais pas, mais si vous pouvez bien sûr, mais faites-le. Faites-le. On va parler de la DA. Donc, la DA, bien sûr, c'est les graphismes. Les graphismes, ils sont incroyables. Regardez-moi toutes ces couleurs qui pètent à l'écran, qui... Regardez-moi cette herbe. L'herbe ici, comme vous voyez à l'écran. C'est incroyable. Franchement, la qualité de la lumière, etc. dans le jeu, elle est époustouflante. De toute façon, c'est simple. Au niveau de la DA, qu'est-ce que je pourrais dire? Au niveau de la DA, franchement, le jeu est magnifique. Il est magnifique. Alors, le but du jeu, vous avez vu ici, c'est de sauver vos copains Astrobot. Voilà. Tout simplement. Regardez-moi là. Ces lumières de ce jeu. Il est incroyable. Le seul petit bémol que je dirais pour ce jeu, c'est que le bestiaire des monstres, il n'y en a pas beaucoup. On peut les compter sur les doigts de la main. C'est le seul bémol du jeu. Pour moi, en tout cas, c'est le seul bémol. Vous avez des boss, des sous-boss dans le jeu. Bon, ils sont... Les sous-boss, ça va encore, mais par contre, il y a certains boss. Il va falloir vous lever de bonne heure pour les battre, ceux-là. Parce qu'il y en a certains... Waouh. Ils sont show time. Vous allez devoir trouver dans chaque niveau certaines choses. Des choses à débloquer. Voilà. Comme là, regardez, vous avez un petit pouvoir. Voilà. Je vous ai pas spoilé à quoi ça sert. Donc vous verrez par vous-même. Mais ouais, franchement, ce jeu. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Alors par contre, le jeu, oui, c'est une tuerie, mais du début à la fin. Je ne vais pas vous parler de la fin. Je vous laisse la découvrir. Parce que même la fin, aucun jeu n'a fait ça. Aucun jeu. Lorsque j'ai découvert la fin, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait, mais non, et vous allez avoir la même réaction que moi. Dites-le-moi dans les commentaires si vous avez déjà fini le jeu, si vous avez eu la même réaction. Dites-le-moi. Voilà. Donc dans les mondes, vous avez plusieurs objets à récupérer également. Donc les astrobots à sauver. Des choses à découvrir, à débloquer par-ci par-là. Voilà. Vous avez vu dans les images que je vous ai montrées, les bestiaires animaux, c'est quasiment... C'est pratiquement les mêmes que vous allez voir tout le long du jeu. Ouais, c'est le seul petit bémol que je pourrais assigner au jeu. Voilà, donc franchement, c'est énorme. C'est énorme. Alors oui, ce jeu sera amené, pardon, pour moi à le faire plusieurs fois. Voilà. Oui, je sais, c'est le rapide de test, il me reste 10 secondes. J'espère que cette vidéo en 5 minutes vous a plu. Je vous laisse. À très bientôt. Portez-vous bien et vive le jeu vidéo. Ciao!